Amateur de kayak, mon regard est très découragé. Il se ridicule. Yeah. Yeah. Nat, as-tu pris ma trousse? Est-ce que tu m'avais demandé de prendre ta trousse? Parce que... Je t'ai dit, prends ma trousse. Tu n'as jamais dit ma trousse. Ça. C'est beau. C'est parti. Vas-y, mon chéri. C'est son dernier voyage. Attention. Go. On se demande pourquoi c'est son dernier voyage. C'est situé près de quelle rivière? La rivière Saint-François. Bravo. Cet après-midi, on va aller pêcher en kayak. La fameuse rivière Saint-François. On est près de la rivière. La rivière qui est là. Saint-François! Exact. Puis on s'en va... On va faire du kayak. Pêcher du poisson. C'est drôle. Toi, tu vas faire du kayak, moi, je m'en vais pêcher. Moi, je suis tellement sûr, mon petit sacré à l'eau, là, c'est 100% officiel. Tu fais comme un geste en X, c'est toujours ton autre main qui te remet en avant du visage. Contrairement à ceux qui pagaillent comme ça, c'est qu'il deviendrait une job de bras. Faut que ça sorte, là. De faire l'ajustement des kayaks. Évidemment, Marc, du haut de ses 6 pieds 4, okay, chose des 14, ouais, pas mal, ça prend un ajustement spécial. Puis après, on va aller pêcher des gros et beaux poissons. Ça me dit qu'il y a du doré, de la perche chaude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Doré, perche chaude, esturgeon? Achigan à petite bouche. Non, esturgeon, on ne prendra pas ça ici. Du requin. Il y a aussi ça, du requin. Il y a de la raie. Là, vraiment, c'est tous les meilleurs spots qu'on va faire en descendant. Fait qu'à mon avis, là, on devrait être en mesure de pouvoir peut-être réellement sortir 2-3 poissons de la fosse puis continuer en descendant. On est prêt? Donc, on part à l'aventure. Ouh! On va tout faire mon possible pour ça va en faire prendre le plus possible. OK. All right. Let's go. Amène-la avec tes mains. OK. Toi, tu... Et qu'est-ce que je fais? Je peux pas empêcher un homme d'aider une demoiselle. OK. OK, t'as une minute. OK. Attends. Tu vas nous attendre tranquillement. OK. Next. Il va tout seul, check ça. Ah! Ah! Mes doigts! Tes doigts! Ça a l'air de bien aller, tes affaires? Faut que tu dises à ton kayak, kayak, c'est moi qui mène. Style en se cassant la gueule. Hi, tabarouette! J'ai une petite zone de stress, moi, là. OK, attendez-moi, les gars, là! J'arrive, ça sera pas long. Que c'est beau ici! Je suis sûr que tu t'attendais pas à ça, puis je suis content que tu aies dit tantôt que tu étais surpris de la clarté de l'eau. Ben oui. Pour les kayakistes, c'est pas reconnu. Parce qu'il y en a qui sont habitués d'en faire dans le bas du fleuve, dans des choses comme ça, okay. Où que l'eau est pas mal plus claire que ça. Puis ils voient ça, la rivière Saint-François, comme les rivières au sud du... Les rivières brunes, là. Tu sais, c'est la Saint-François, c'est une des plus grosses rivières à ce monde, dans le temps. Je suis pas habile. Je suis vraiment pas compétent en kayak. Elle est pas trop peureuse, hein? Ça en va pas? Elle va peut-être bien nidifier dans le coin. Ici, c'est le coin où c'est que le monde vienne pas. Fait que, il y a bien des chances. Hey, check, il y a des petits poussins. C'est ça? L'autre bord de l'outarde, oh, c'est pour mon ça que Dieu, des poussins! Là. Check les trois petits outardes. À les appeler, à les protéger. On va essayer de se prendre un outarde au lancer léger.
Hey. Galette, poisson! Poisson gigantesque! Brochet! Brochet immense! All right! Wow! T'as vu, j'ai bougé les pattes. Kim, c'est toi qui a brisé la glace aujourd'hui, Marc? Ouais. Avec un brochet, rien de moins. Hein, c'est tout petit, ça, c'est 35... 35 livres au moins. 35 centimètres. Il n'y aura rien. Là, on va le mettre lentement, sûrement, à l'eau. Prends-les par la queue. Ah, ça y est, voilà. Il est parti tranquillement. Ben oui. Super. Attends, même l'outarde... L'outarde, elle me trouve hot. Même l'outarde, elle me trouve hot. Bon, ben merci. Plaisir, on continue. Oup, là, on s'est accroché. Ah ouais, c'est ça, tu veux mon émission, hein? On remet les cannes en position. On va passer le petit rapide. Oh boy, ça va là-dedans, là? On va aller se mettre le nez du kayak dans le bas du rapide. OK, au pire, je tombe à l'eau. Voyez-vous le V? Je suis enlevé. Encore par en avant. Je suis enlevé. OK, rétropulsion. Viens me rejoindre ici. Continue pas. Rétropulsion par en arrière. On va attendre Marc. Rétropulsion. Arrête un peu. Oh! Tout doucement. Viens nous rejoindre. Ah. Oh, dis-moi la caméra. On se voit en bas. Bon, ben laisse-toi aller. On continue par en avant. On se rejoint en bas sur le bassin. Ouf! Ça sent tellement la fin pour les deux longs cours. Ah! Safe! Très mon pêcheur, c'est beau. Puis la rivière, elle s'appelle comment, mon amour? Azegantecu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là où l'asphalte arrête. Non. Non, ça veut dire que c'est la rivière aux coquillages. Et qu'est-ce que j'ai trouvé pour toi pour prouver aux algues et aux coquillages? Regarde. Puis on continue, là. Je pense qu'il reste 3-4 fosses à voir. Mais c'est vraiment beau. Puis le soleil qui se couche, à part ça, c'est comme 5h15, 5h30. C'est vraiment très, très beau. Moi, je pense que s'il y a des oiseaux ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de poissons. C'est ma théorie. Mais on dirait que j'ai peur de leur faire mal. Je les attrape pas. Oh! 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 J'en ai un! J'en ai un! J'en ai un poisson! Ah! Ah, il est gros, là! Attends, tiens, j'ai peur de le perdre, là, mais faut... J'ai attrapé un assigan! J'allais. Hein? Il va te mordre! Garde-moi ça, la belle prise! Mouah! Dans le sens... Ouch! Merci! T'es fini! Bravo encore, Nat. Elle était plus persévérante que moi. Ah, les gars, high five! Ah ouais? Chérie? Bravo, mon amour! C'est toi la meilleure aujourd'hui! Oui! C'est parti!